Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi ça va et du coup on se retrouve dans une vidéo des situations. Alors pour les screens, aujourd'hui nous avons deux screens avant de passer au message et pour le premier dont je voulais vous parler, voilà, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas, mais si vous le savez, mettez en pause la vidéo, écrivez-le dans le commentaire pour savoir si vous le saviez ou pas. Mais en gros, là, la personne m'a envoyé, mais c'est bizarre, je suis allée dans le truc de, vous savez, le truc des créations où les joueurs peuvent créer des nouveaux designs. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait des cheveux à la place, enfin, quand je cliquais dessus à la place, ça me montrait une jupe. Je pense que la personne qui m'a envoyé l'email n'a pas vu que c'était des cheveux de Pâques. Donc c'est un rare de Pâques, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'était dans un pack il y a quelques mois. Et en fait, il y a des personnes qui utilisent des logiciels type Charles Proxy. Hein, je pense que la plupart d'entre vous vous connaissez, mais ce sont des logiciels totalement illégaux et si vous les utilisez, vous avez des chances de vous faire bannir. C'est également pour ça que la plupart des personnes qui font... Voilà, par exemple, là, cette personne qui a designé ses cheveux, entre guillemets, hein, s'appelle Making Rare, donc m'étonne pas que ce soit des cheveux rares. Et souvent, ce sont des comptes qui, plus tard, peuvent se faire bannir. Donc, en général, les gens qui font ça, ils font ça sur des comptes où ils s'en foutent un petit peu, ou des nouveaux comptes, ce genre de choses, puisque c'est totalement interdit d'utiliser ce genre de logiciel sur ce jeu. Mais normalement, quand vous achetez cette, entre guillemets, perruque, vous recevrez une jupe qui est ici. Donc voilà, donc ça c'est pour toutes les personnes qui plus tard se retrouveront dans le studio design et vont penser qu'ils achètent des rares, absolument pas, c'est juste un effet d'optique et puis c'est tout en fait. Voilà, donc on va passer au deuxième screen. Et le deuxième screen, en fait, c'est celui-ci. Donc c'est un petit bug visuel où normalement, vous savez, quand vous parlez avec une personne, le cadre s'affiche que d'un côté ou de l'autre. Et là, bizarrement, il s'est affiché dans les deux côtés. C'est assez bizarre, mais c'est un bug. Du coup, j'ai pas d'explication par rapport à ça. Et on va passer au message maintenant. Pour le premier message, je me suis co sur mon compte et j'ai ouvert mon profil. Et là où il y a marqué la date de l'inscription, il y avait marqué septembre 2006. En gros, ma date de naissance au lieu de mars 2018. Bref, c'était trop chelou. Moi, j'avoue, c'est chelou parce que la plupart... Enfin, il faut savoir déjà d'une que Movistar Planet existe depuis 2009. Donc les comptes les plus anciens sur lesquels vous pouvez voir la date est 2009. Techniquement, ça peut pas être en dessous. Et effectivement, là, 2006, c'est la première fois parce que moi, j'ai reçu déjà deux screens. Et habituellement, quand il y a un problème de date, c'est souvent soit 2001 et je crois soit c'est... ouais, 2001. C'est tout le temps 2001, je crois. Et là, 2006, bah, c'est la première fois que je vois ça. Situation chiante. Coucou, en fait, il y a une fille qui se fait passer pour moi et qui m'harcèle de messages en me disant que mon compte, c'est son compte et que je l'ai piraté. Alors que c'est pas vrai, pourtant je la bloque, mais elle crée des comptes pour continuer. Voilà, c'est ma situation, j'espère que tu me répondras vite, merci. Bah écoute, aussi bizarre que cela puisse l'être, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois sur mon compte Quinzel YouTube que des personnes me contactent en me disant « Oh, moi mon compte, c'est moi Quinzel !» Je suis en train de dire « Mais d'où t'es Quinzel? C'est moi Quinzel, wesh !» Ben, la prochaine fois qu'elle te contacte et qu'elle te demande de lui rendre son compte, tu lui réponds PTDR, t'es qui? Bref, c'est une petite anecdote, petit truc marrant pour ceux qui connaissent la référence. Sinon, pour les autres, laissez tomber, ne cherchez pas à comprendre. Mais bon, pour répondre un peu plus sérieusement, je pense que la meilleure des solutions, c'est que tout simplement, tu continues à bloquer la personne sans même lui répondre, sans même lui porter d'intérêt. Et tu verras qu'au bout d'un moment, bah, la personne, elle arrêtera de créer des comptes pour te contacter. Puisque ça peut être chiant pour elle. C'est plus rapide pour toi de la bloquer que d'elle de créer des comptes. Alors, situation bug, j'ai essayé d'acheter un pet et mon pet que j'ai acheté, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai refait ça 4 fois, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai perdu beaucoup d'argent et je ne l'ai toujours pas. Alors, est-ce que tu sais, parce que je ne sais pas quel niveau elle est, My Team. Elle est niveau 8, donc peut-être tu ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en fait, si tu achètes un pet dans le magasin, il faut ensuite que tu ailles dans ta chambre et que tu déposes le pet dans ta chambre pour qu'il éclose dans un premier temps. Et après, bah, tu pourras le mettre avec toi dans ton profil, etc., etc. Ma situation, un diable m'a parlé et m'a dit que si je ne le crois pas, il fait tomber mon portable et il est tombé. Un jour, je me suis connectée sur mon vrai compte et là, une amie s'est connectée aussi et d'un coup, Pixistar n'avait plus ses habits. Normalement, elle avait des habits de mon amie en dessous, il y avait écrit Pixistar, bah, il n'y avait plus rectangle jaune.
D'ailleurs, je ne revoyais plus mon amie alors qu'elle était connectée. Bon, après, je me suis déconnectée, mais reconnectée, puis c'est passé. Je veux vraiment que tu me répondes à cette situation bizarre car j'ai flippé, j'ai cru que Pixstar s'était fait pirater alors que ce n'était qu'un bug. Bah écoute, tu as la réponse, ce n'était qu'un bug. Il arrive souvent des bugs, voilà, de personnes. Tu vois une personne habillée comme une autre, etc., etc. Coucou Quinzel, je vais te raconter une situation piratage et deleted. Alors ma BFF m'a donné un ticket VIP. J'étais ultra contente, etc. Deux jours après, une personne arrêtait pas de se causer sur mon compte alors que j'avais changé mon pass à chaque fois. Puis je me suis retrouvée avec 0 Starcoin. Elle avait dépensé un diamant, mais le pire ce n'est pas ça. Je vais sur Snap et là je vois ma BFF, celle qui m'a offert le ticket. Elle me dit « t'es deleted » et je la croyais pas. Alors elle m'a envoyé la photo de deleted user et le pire dans tout ça, c'est... Attends, je comprends pas. Elle t'a offert un ticket VIP, c'est-à-dire qu'elle s'est pas connectée sur ton compte pour que tu puisses être VIP. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais niveau 15 et me manquait 7 KFM et je t'avais en ami. Et j'envoie un mail à MSP mais ils s'en foutent. J'espère que tu verras mon message pour me répondre. Mais je pense que c'est trop tard car ça fait un mois qu'il est deleted. Ouais, je pense qu'au bout d'un mois, il n'y a plus possibilité de le récupérer. Normalement, quand une personne elle est deleted, tu la vois encore dans tes amis en deleted. Donc si ton ami ne te voit plus dans les deleted, bah, c'est que le compte il a été complètement supprimé. Si encore elle te voit en deleted dans ses amis, il y a encore moyen de récupérer le compte. Bah, effectivement, si t'as attendu un mois, c'est un petit peu mort. Après, je t'avouerai, hein, Movistar Planet, à moins que t'aies été VIP, ça c'était. Enfin, là t'étais VIP par ticket VIP, donc t'as pas vraiment réellement payé sur Movistar Planet. Et je t'avouerai que Movistar Planet, c'est pas qu'ils s'intéressent plus, mais ils font de la discrimination, je vous en ai déjà parlé, entre les comptes VIP et les comptes non VIP. Donc pour tous les comptes qui sont VIP, c'est plus facile pour eux de récupérer leur compte derrière, etc. Enfin bref, il y a vraiment du du racisme autour des VIP, non VIP, quoi, et c'est un petit peu dommage. Et bah désolé pour ton compte, je ne sais pas quoi te dire de plus à part mettre un mot de passe un peu plus compliqué la prochaine fois ou faire attention à ne pas le donner. Voilà, voilà. Situation chelou, désolé, j'ai plein de situations. Un jour, quand j'ai voulu faire un artbook, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai voulu écrire machin YouTube, mais c'était chelou l'écriture, elle s'est mise à l'envers, elle a changé de couleur, c'était hyper chelou. Et puis après aussi, je voulais mettre un émoticône, et bah je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre une étoile, ça m'a mis un cœur, bon, sinon je t'adore trop, Quinzel. Bah merci, bah je sais pas quoi te dire pour ça. Bonjour Quinzel, voici ma situation bug, je me co sur mon compte et là ça me met logging out alors que je m'étais même pas encore co. Après je réessaye, ça me met la même chose, j'étais avec ma pote, on a flippé, je me co sur serveur MSP, ça marche enfin, je t'adore. Tu as mis un love à mon commentaire YouTube, oh. Eh bien c'est possible que quelqu'un ait essayé de se connecter en même temps que toi sur le compte, donc j'espère que tu as quand même changé le mot de passe par sécurité. Ou je sais pas si c'est ton ami qui se connectait en même temps que toi pour te faire une blague peut-être. Je ne peux pas dire rien de plus, je ne sais pas. Situation bug, j'étais sur MSP tranquille, après je me fais déconnecter de mon compte. J'ai essayé de me reco et c'était écrit que j'étais bannie pour 3 jours. J'ai essayé, ça m'a rentré sur mon compte et j'étais pas bannie. Voilà ma situation, j'espère que tu vas me répondre. Bah pareil, je sais pas trop quoi dire, hein. C'est un bug, c'est comme ça, c'est MSP, c'est Movistar Planet. Coucou Quinzel, je voulais te raconter une situation très glauque. Donc un jour je jouais à MSP, il y a le couvre-feu. Puis je jouais sur 2 comptes et sur le deuxième, comme je l'ai dit, il y a le couvre-feu et on me dit que je ne peux plus chatter. Mais sur ce compte, je peux encore, je texte, je vais dans différentes salles de chat et c'était vraiment bizarre. Puis il y a des gens qui essayaient de m'écrire dans leur que fais-tu, c'était vraiment bizarre. Sinon, sur ce, gros bisous, Quinzel, je t'adore. Accepte mon ami soir, Quinzel. Bah merci, mais je suis pas sur le compte, Quinzel, là, je suis sur les situations. Mais pour te répondre, bah moi j'aimerais bien avoir ce bug-là sur Quinzel YouTube et pouvoir répondre aux messages pendant la nuit. Ça me permettrait vraiment de tous vous répondre. Puisque, comme vous le savez, je lag énormément sur Quinzel YouTube, j'essaye énormément de vous répondre. Mais en journée, c'est juste pas possible. Et en période de vacances, c'est encore pire. Parce que même tôt le matin, je commence déjà à laguer et ça me fait plaisir. C'est pour ça que en ce moment, je fais mes vidéos vraiment genre tôt le matin. Parce que l'après-midi, le soir, c'est vraiment pas possible. Et du coup, avoir ce bug-là sur 15 YouTube, ça m'aurait permis pendant le couvre-feu la nuit, parce que je suis quelqu'un qui se couche assez tard quand même, bah ça me permettrait quand même de vous répondre de temps en temps quand même à beaucoup de messages. Mais bon, voilà, voilà. on ne peut pas commander de bugs. Hein. Situation de bug, je me suis co et là j'avais plus de Starcoin et de diamants. Plus, je pense, plus de Starcoin et de diamants, beaucoup plus. Et là, ça m'a mis 3 mois VIP alors que je n'avais rien payé. Ça me l'a refait 2 fois. Une fois 3 mois VIP et 2 fois 1 mois VIP. Bah, je sais pas quoi te dire, à part peut-être que quelqu'un veut te faire la surprise et s'est connecté sur ton compte pour te mettre des VIP. Ou bien c'est peut-être tes parents, ou bien c'est un renouvellement automatique, bien que...
Vu que le VIP n'est pas le même, je ne pense pas que ce soit ça. Bon, en tout cas, bah, félicitations à toi, GG, tu vas pas te plaindre. Situation gros bug, j'ouvrais les cadeaux d'un autre compte et je vois qu'il est VIP. Vu que c'est le mien, je me dis je me suis fait pira et je me cause sur le compte. Mais je suis sûre que ce met personne qui m'a mis VIP. Ce met personne, j'ai pas compris. Vu que ça durait une heure, du coup je vois 15 diamants, je me fais une salute et ça marche. Du coup je vais chercher un truc VIP et ça marche. Et vu que je viens de me mettre VIP sur ce compte, je suis sûre peut-être que mon PC a bugué, mais très beau bug. Ah, bah ça devait être un bug, ouais, effectivement. Mais c'est bizarre parce que je pense pas que ça existe les VIP à une heure. Je sais pas. Je sais pas. Et pour la dernière situation de cette vidéo, je parlais avec une de mes bestes et là je reçois un message d'une meuf qui a pas de pseudo et je lui dis t'es qui ? Elle dit je suis Anonymous. Voilà, donc petit message d'une Anonymous, mais dommage que tu me dis voilà, il y a pas de suite à ton histoire parce qu'en fait elle te dit je suis Anonymous mais il y a pas de chute à l'histoire. Tellement triste. Mais voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous. Et comme d'habitude, si vous voulez envoyer un message, c'est sur l'espace situation et sur l'email situationmsp@gmail.com. J'essaierai de vous le mettre dans la description si je n'oublie pas. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.